ça fait un peu plus simple. Les bouts, ça va tout seul. Donc voilà, avec des morceaux de tissu, on peut obtenir par exemple des bracelets, faire des vitrines ou alors faire des robes qu'on a fait depuis toujours. Mais aussi, voilà, les magasins. C'était un savoir-faire qui était presque disparu. Mais il y a d'autres personnes qui fassent ce métier, mais moi j'ai voulu faire à ma façon. Et comme mes enfants, ils étaient impliqués d'une façon ou d'une autre, donc on s'est donné main dans la main, voilà, pour marcher ensemble, pour aller, voilà, pour proposer aux clients quelque chose un peu différent. En France, il y a plusieurs plisseurs. À Paris, je suis le seul plisseur. Mais aussi, je suis le seul plisseur qui travaille uniquement avec des cartons. J'utilise aucune machine pour les plisser. Il existe des machines à plisser, j'en ai aucun. J'achète juste des cartons et à partir des cartons, je fabrique moi-même les moules à la demande des clients. Ça existe depuis 5000 ans, mais si ça s'était resté juste sur les robes ou sur les jupes, voilà, le métier serait mort depuis longtemps.